Dans cet épisode hors série, on se trouve dans l'archipel céleste d'Ordine Sud pour faire le sanctuaire Gata Unali. La voie de l'eau. C'est le titre d'Avatar 2, ça. Je connais. Bon, de la lave. De l'eau, très bien. Là, il y a un truc comme ça. On peut bêtement le mettre ici. Ah, en fait, c'est juste pour expliquer le concept. D'accord. Je pense qu'il va pas être très complexe. On s'embarque donc dans une sorte de sanctuaire tuto pour nous apprendre justement à faire une mécanique qu'on a très bien compris quand on était dans le volcan de la montagne de la mort. Par contre, pour récupérer ce coffre, je sais pas s'il y a une technique faite pour. En tout cas, je pense que si on fait cette espèce d'escalier, c'est déjà très bien. Arc de golem surpuissant. Nickel. On continue. S'il faut, on reviendra chercher cet artefact plus tard. Nous, on pète le mur. Et j'ai d'ailleurs pété mon arme un petit peu. La fin du sanctuaire est ici. Et là, c'est le vide. On a récupéré tous les coffres du sanctuaire. Bon. Il n'y a plus qu'à faire une plateforme ici, je pense. Je l'emmène jusqu'à la fin avec emprise. Je vais la lâcher. Et là, on va refaire rétrospective. Et là, ça va marcher. Go! Très bien. Bon. Une fois de plus, il y avait peut-être une autre technique. Mais celle-là me semble assez simple. Et surtout, elle marche. Grâce à ce sanctuaire, on connaît tous les secrets du déverseur. Mais bon, si vous voulez partager d'autres secrets, ou alors juste poser une question sur Tears of the Kingdom, n'hésitez pas à laisser un commentaire.